En général, ce que je recherche dans mes tableaux, c'est de représenter les scènes champêtres du Québec. Sur les scènes qu'on peut retrouver, par exemple, près du fleuve, dans la région de Kamouraska, ou dans les cantons de l'Est. Lorsqu'il y a beaucoup de nuages, des jeux d'ombre et de lumière sur le paysage, c'est ce qui m'intéresse. Et les scènes que je vais privilégier, ce sont des scènes qui représentent souvent des grands espaces. Parce que pour moi, lorsqu'un tableau est réussi, c'est que lorsqu'on le regarde, on ressent une espèce d'expansion. On voudrait s'en aller dans le tableau et voyager dans cet espace-là. Et dans ce temps-là, le tableau, pour moi, il est réussi et c'est ce que je recherche. Alors donc, une scène va vivre parce qu'il existe dans cette scène un certain état de lumière, une certaine qualité de lumière à un certain moment qui va privilégier ce sentiment-là et c'est ce que j'essaie de saisir. Bon, en fait, c'est sûr que pour une personne qui veut commencer à s'intéresser à la peinture, il y a d'abord le dessin. C'est sûr que le dessin est important. Et il existe des exercices intéressants pour avancer rapidement en dessin parce que on croit souvent que le dessin, c'est une question d'un talent naturel et ça a été démontré, ça, par un professeur aux États-Unis qui s'appelle Betty Edwards. Que le dessin, c'était pas nécessairement une question de talent, mais c'était une question de comment on observe. Et les exercices de dessin, c'est pour développer le sens de l'observation. Parce que c'est pas vraiment la main qui dessine, c'est le regard. C'est lorsqu'on voit les choses et qu'on les voit correctement qu'on peut arriver à les dessiner. Alors, pour progresser rapidement, il s'agit de développer ce regard-là sur les choses en s'attardant aux proportions, aux angles, aux différents proportions entre les différentes formes. Et ça, c'est en travaillant de cette façon-là qu'on va progresser en dessin. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'enseignement de la peinture, c'est surtout d'amener les élèves tranquillement vers une personnalité dans leur travail de peinture. Parce que quand l'élève, après un certain temps, a réussi à mieux comprendre le dessin, les couleurs, le mélange des couleurs, les différents procédés d'application de la peinture et tout ça, quand on a passé à travers toutes ces techniques-là, et puis on voudrait bien, avec le temps, trouver un certain style personnel dans notre travail de peinture et j'aime beaucoup accompagner les élèves dans cette démarche. Et parce que on doit, avec le temps, arriver à saisir qu'est-ce qui nous intéresse dans le monde visible, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on aime représenter, qu'est-ce qui nous intéresse et il faut faire un focus tranquillement sur ça parce que c'est tellement large qu'est-ce qu'on peut représenter, qu'est-ce qu'on peut peindre et aussi il y a tellement de styles qu'on peut privilégier en peinture. On peut aller vers l'expressionnisme, on peut aller vers l'impressionnisme, on peut aller vers l'hyperréalisme, vers un travail plus abstrait et tout ça, c'est selon ce que l'élève va privilégier comme personnalité dans sa peinture, qu'est-ce qu'il va aimer représenter. Par exemple, si quelqu'un aime beaucoup les fleurs, le domaine floral, alors qu'est-ce qui va l'intéresser là-dedans? Est-ce que c'est le foisonnement des couleurs? Si c'est ça, ben à ce moment-là, on peut travailler l'aspect couleur, l'aspect expression avec la couleur, donc ça peut presque devenir semi-abstrait. Pour une autre personne, ça peut être la grâce, la légèreté. Alors là, on va privilégier autre chose, on va privilégier la ligne, on va privilégier la délicatesse dans des sujets comme ça. Alors, c'est ça que j'appelle une démarche
créatrice lorsqu'on fait de la peinture, c'est d'aller vers ce qui nous intéresse et de privilégier le style qui va s'accommoder à tout ça. Et c'est justement ce qui m'intéresse avec les élèves, c'est d'aller faire un travail plus personnel, plus individualisé et trouver la voie qui lui est propre. Je peux accompagner l'élève à peu près dans tous les styles parce que je les ai à peu près tous expérimentés et je les ai beaucoup étudiés aussi. Alors, et j'aime ça dans une salle de cours quand il y a différents élèves et que chacun a un style différent et se démarque. Alors, une personne qui voudrait aller plus loin en peinture, ça demande, c'est sûr qu'il faudrait y accorder plus d'heures par semaine et aussi de travailler davantage pour aller chercher ses propres sujets, soit par la photographie, le dessin, les croquis. Et ça peut devenir à ce moment-là un loisir très enrichissant qui par la suite peut devenir une activité importante comme développement personnel et puis qui sait peut-être vers un certain travail professionnel dans les années à venir.